Je m'appelle Agri Abou Annick Joël, épouse d'Aouli. Mon époux et moi, nous sommes prêts à naquer le 7 novembre 2019 dans la commune de Port-Bouy, plus précisément à l'arrière-port, dans le quartier appelé Sipim. Nous avons contacté un monsieur sur les réseaux sociaux du nom de Ouma. Il nous a fait des affiches d'une maison et il nous a dit qu'il a une maison à Port-Bouy. Il nous a dit que la maison qu'il avait était déjà prise. Et il nous a donné le contact de son collègue démarcheur. Et nous avons contacté son collègue démarcheur qui nous donnera le numéro d'un certain Yao Gérin qui se faisait passer pour un propriétaire de maison à Sipim. Nous avons pris le contact de ce monsieur-là. Nous avons appelé. Nous avons pris rendez-vous avec lui. Et nous sommes allés en sa rencontre. Nous sommes allés à la Sipim, nous avons rencontré ce monsieur, il nous a fait visiter la maison. Nous sommes rentrés dans la maison était déjà ouverte. Nous sommes rentrés, c'est une duplex. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui habitent en bas et en haut, les maisons sont en location. Nous sommes rentrés directement dans la maison, nous sommes allés visiter la maison. Il n'y avait personne dans la cour, il n'y avait personne dans la maison. Nous sommes rentrés, nous avons visité la maison. La maison venait à peine de finir. Nous avons visité tous les compartiments de la maison. Et nous sommes ressortis pour aller nous asseoir dans pas trop loin du quartier, dans un endroit, et puis nous avons commencé à échanger. Pendant notre échange, je lui ai demandé la clé de la maison. Nous avons parlé d'abord du prix. Il nous a dit 70 000 francs. Et nous avons dit non, nous voulons une maison de 50 000 francs. Que c'est ce que nous pouvons payer présentement. Et il nous a dit il va réduire pour nous. Mais en tant que propriétaire de maison, il a réduit le prix. Nous ne sommes jamais rencontrés avec des personnes pour aller louer une maison. C'est une première fois. Donc nous ne savons pas exactement comment les choses se passent. Donc pour nous, c'était normal qu'il diminuait la maison, tout et tout. Puisqu'il se faisait passer pour le propriétaire. Donc il a diminué la maison à 50 000 francs. Et il nous a dit 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Il avait les 300 000 francs sur moi. Avant de lui remettre l'argent, je lui ai demandé la clé de la maison. Il nous a dit comme il devait faire quelques petites modifications dans la maison, il nous donnera la clé le vendredi. Mais néanmoins, il ne faudrait pas qu'on ait de soucis. Il va nous remettre la copie de sa pièce. Il va nous remettre un reçu et un contrat de bail. Du coup, nous étions rassurés et nous l'avons remis les 300 000 francs. Il a compté l'argent et puis c'est ainsi que nous sommes séparés. Nous l'avons appelé, son numéro ne passait pas. Le soir, lui-même, il nous a rappelé. Nous étions toujours rassurés. Il nous a rappelé et il nous a dit que la maison, les travaux qu'il devait faire étaient déjà finis. Il n'y a pas de souci que le lendemain, vendredi, on allait récupérer la clé et puis il allait signer le contrat. Le contrat qui se fera légaliser à la mairie, bien sûr. Le vendredi, nous l'avons appelé. Son téléphone ne passait pas. Mon mari l'a appelé, son téléphone ne passait pas. Moi, j'étais au travail, il m'a fait signe. Et moi, je l'ai appelé, il a décroché. Et je me suis présenté, ah, je suis la dame qui vous a remis les 300 000 francs que nous devons nous rencontrer. Mon mari vous appelle, ne décroche pas le téléphone. Il nous dit non. Il est en train de venir vers nous. Il faudrait que nous mettions à Port-Bouy, à la mairie de Port-Bouy. Il est en train de venir vers nous, qu'il n'y a pas de souci, on va se rencontrer tout à l'heure. Et nous avons attendu à la mairie. On l'a appelé, il ne décrochait plus son téléphone. Après, je l'ai relancé plusieurs fois, il ne décrochait pas. Après, il a rappelé qu'il est en train de revenir. À chaque fois qu'il nous rappelle, ça nous rassure. Il est en train de venir. Jusqu'au soir, je l'appelle, son téléphone ne passe plus. Mon mari l'appelle, son téléphone ne passe plus. Et le samedi, nous sommes retournés dans la maison en question. Nous sommes partis dans cette maison-là. Et c'est là-bas que nous sommes rendus compte que c'était de la nappe.